Brasserie, direction Blainville. Avec 25 ans de brassage, les Brasseurs du Nord sont des pionniers de la renaissance brassicole au Québec. Et à la tête de l'entreprise, Laura Urnowski, la première femme à avoir brassé de la bière chez nous. Bonjour Laura. Salut. Les Brasseurs du Nord, c'est la brasserie qui fabrique les bières boréales, mais c'est une histoire d'amour. Mais pour oui. commencer. Une histoire d'amour entre moi et mon chum qui avons fondé la compagnie avec mon beau-frère, mais aussi l'amour de la bière, quoi. Puis ça a commencé quand, cette histoire d'amour, de passion? On est ensemble depuis l'université, en fait. Mm-hmm. Puis c'est là où on a commencé à brasser de la bière aussi. On brassait à la maison pour arrondir les fins de mois. On pouvait vendre un peu de notre bière, ça slide un peu. Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant. Au départ, vous n'étiez pas prédestiné à brasser de la bière? Non, du tout. Au départ, on était étudiants. Moi, j'étudiais en histoire, mon chum en géographie. Puis chose importante dans le budget d'un étudiant, c'est la bière, évidemment. Ben oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on a décidé de s'en faire nous-autres mêmes. Puis on a acheté une livre de recettes qui venait d'Angleterre. Mm-hmm. Et c'est là vraiment où moi j'ai accroché, parce que là, il y avait des recettes pour des bières noires, des blanches. On a commencé à travailler directement avec les céréales à la maison. L'appartement, c'était fou. Il y avait des fermenteurs puis des chaudrons partout. Là. Vous avez décidé quand de vous ouvrir une microbrasserie? Moi, je travaillais dans un magasin de bières et vins maison. J'avais beaucoup de clients qui arrivaient avec des bières différentes puis disaient « Hey, Laura, est-ce quel ingrédient que ça me prend? » Puis tout ça. Il y en a qui, une fois qu'ils sont arrivés avec des bières de microbrasserie américaine, bien, ils commençaient juste quelques-uns. Oui. Puis je disais « Ben non, voyons, il y en a d'autres qui peuvent faire ça. » Fait que là, moi puis Bernard, on dit « Ben peut-être on pourrait faire ça. » Parce qu'à l'époque, des débouchés en histoire et en géographie, t'es pas formidable, non. C'est à ce moment-là qu'on a décidé vraiment de faire un plan d'affaires puis voir si c'était possible. Ça a pris un an et demi faire le plan d'affaires, avoir le permis, faire mon apprentissage parce que je suis allée faire des stages dans des brasseries en Ontario puis aux États-Unis, acheter l'équipement puis tout ça. Puis c'est en 87 qu'on a créé la compagnie puis en 88 qui est née la première bière boréale. La première bière boréale qui est une rousse d'ailleurs. Vu qu'on n'était pas en bouteille au début, on était seulement en fût, on n'avait pas d'argent pour acheter une ligne d'embouteillage. Alors, il fallait que la bière ressorte. Donc, on s'est dit, sur une terrasse ou dans un bar, si on a une bière de couleur différente sur la table, les gens vont dire, hey, c'est quoi ça? Ouh, elle est brune, qu'est-ce qu'elle a eu? Ça doit être parce que vos cuves sont rouillées, hein? Ou bien, c'est comme le pain brun puis les œufs bruns. C'est naturel, c'est pour ça qu'elle est brune, hein? Il fallait faire énormément d'éducation populaire pour expliquer aux gens que la couleur provient des céréales. Vous êtes une entreprise très verte. Vous avez un mur solaire. C'est un mur qu'on a mis du côté sud du bâtiment. Et puisqu'en brasserie, il faut ventiler beaucoup, et pour garder la qualité de l'air, on prend toute notre air nouvelle à travers ce mur-là. En hiver, mettons, qui fait moins 10 dehors, mais la nouvelle air qu'on va rentrer peut être préchauffée jusqu'à 4 ou 5 degrés à ce moment-là. Mais aussi, on recycle toute la chaleur qui est sortie de nos cuves de fermentation parce qu'ils sont toutes réfrigérées. Et le système de réfrigération, bon, ça extrait la chaleur de la bière lorsqu'elle a fini de fermenter. Et on recycle cette chaleur-là pour chauffer le bâtiment. Laura, le logo, le nom Boréal, ça vient d'où? Au début, on compétitionnait les bières importées. Mm-hmm. Puis ça, ils ont tous des logos avec des armoiries, des vieilles affaires. Nous, on voulait faire jeune, nouveau. Et on voulait aussi refléter les valeurs de Boréal, c'est-à-dire le côté naturel. Donc, l'ours, c'est un animal naturel, puis le mot Boréal aussi. Mais aussi, je pense que c'est l'ours, c'est pas un animal suiveux. Et c'est un animal qui est authentique, qui est fier, puis qui avance dans la vie, puis qui fait ses affaires. Et c'est un peu aussi le reflet peut-être de nous au début, mais aussi de nos buveurs, parce que pour boire une bière de couleur au début, il fallait être fier de soi, puis ben oui. Savoir où est-ce qu'on s'en allait. D'après vous, lors d'une dégustation de bière, doit-on absolument respecter l'ordre de gradation des saveurs? Au retour de la pause, la réponse à la question belle gueule et un moment privilégié avec Laura Urnowski et Jake. Que lors d'une dégustation de bière, on doit absolument respecter l'ordre de gradation des saveurs. Vrai. Idéalement, on suit le principe de la gradation. Premièrement, on goûte aux bières légères. Ensuite, on enchaîne à des bières plus aromatiques.
plus alcoolisée, et c'est là qu'on connaît la complexité de la bière. Laura, tu es une passionnée de bonne bière, mais aussi d'équitation. Ça a commencé comment, cette passion-là pour l'équitation? Quand j'étais tout petite, mon père m'amenait sur son cheval. J'étais peut-être 2 ans. J'avais peut-être 2 ans. Il m'assoyait en avant sur la selle. Puis, ben, ça faisait mal. Là, c'est pas confortable comme ça, mais c'est je me souviens, changer. J'aimais ça beaucoup. Déjà, là, de l'odeur, tout ça, du cheval, toucher les crins, comme ça. Parle-moi de ta bête, ton oui. amour de cheval. C'est qui? Il s'appelle Jake. Jake. Je l'ai eu, il y avait que 4 ans à peu près. Mm-hmm. Il y avait juste une trentaine d'heures dessus, comme on dit. Donc, il était. Il n'était pas pilotage. Entraîné, okay. Ou presque pas. Donc, C'est une bonne bête, hein? Ah oui. Les choses que, pour moi, c'était super important que j'aie pas un cheval qui soit peureux. Mm-hmm. C'est pas une bête nerveuse, mais il veut aller vite. Il aime ça, la vitesse. Il veut avancer. Puis, il n'y a pas beaucoup de break. Qu'il ait confiance en moi, que je lui ferais pas faire des niaiseries, des affaires dangereuses. Puis moi, il faut que j'aie confiance en lui, qu'il fera pas de cave là, dans le bois, puis me blessera pas. Donc, il faut qu'on s'établisse en tant qu'être. Regarde-moi, j'ai ces besoins-là, toi, ces besoins-là. Parfait, on se comprend, mais il faut avoir cette compréhension mutuelle et respect mutuel comme ça. Puis il faut que les deux, il faut qu'on le sente. Mon idée, c'est pas gagner des prix dans les compétitions. Moi, j'aime ça faire un peu de n'importe quoi. Oui, je fais un peu de saut, je fais un peu de dressage, de la randonnée, beaucoup. Je fais un peu de carousel, ça, c'est comme les gendarmerie royale, mm-hmm. Où on est une gang, puis on fait des pirouettes, puis des chorégraphies un peu. Donc, on se suit tout collé. Mm-hmm. Ouais. Oui, ça, c'est super le fun. J'aime tout. J'aime l'odeur d'une écurie. Regarde, ça sent bon. J'aime le foin comme ça. Là. Qu'est-ce que... Faire les foins, tout le côté agricole là-dessus, le côté vétérinaire, connaître le cheval, mm-hmm. Comment ça, les tendons fonctionnent, puis tout ça. J'aime ça, la complicité beaucoup. Mm-hmm. La nature, surtout. Aller promener dans le bois, regarder les différentes saisons, les oiseaux, puis les animaux sauvages, ils reconnaissent pas que on est des humains dans le bois parce que t'es sur un cheval puis tu fais pas de bruit comme tu vois avec une moto ou quelque chose. Ouais. C'est pas le même. Juste le son des chevaux qui mâchent le foin, je pense que c'est mon bruit favori dans la vie. Et le bruit d'une capsule. Une bouteille de bière, bien entendu. Cheers! Cheers! La semaine dernière, les brasseurs de l'émission ont injecté la levure pour amorcer le processus de fermentation de la bière Ça va brasser. Aujourd'hui, un arrêt à la microbrasserie des Beaux-Prés pour faire goûter au brassin test. Allons voir ce que nos buveurs en pensent. Très bonne, très douce au goût. C'est floral. J'aime beaucoup le corps soyeux qui est amené par les céréales crues. Attends, je suis pas certain. Ouais, tu goûtes amer, moi j'aime bien. Très bon. Oui, ça me rappelle un petit peu la banane puis l'amertume de la peau de banane verte. Attends, je vais encore écouter. Légèrement épicé, mais pas tellement épicé. Un peu sucré. Très bon. Sérieux, là? Oui, j'aime bien. Excellent. Un côté très rafraîchissant, un côté pain frais. Très bon. Félicitations, les gars. Félicitations. Santé. La semaine prochaine, les premières esquisses de la bouteille de bière Ça va brasser. Vous voulez en savoir plus sur les bières boréales? On vous en parle tout de suite après la pause. On a commencé seulement avec cette bière-là, qui est la Boréale, qui s'appelait tout simplement la Boréale. Là, on voulait agrandir notre gamme, puis on a brassé une Boréale qui était blonde et une Stout, une bière noire, toujours seulement en fût.
Et là, il fallait trouver des noms pour ces autres bières-là. Puis là, on s'est dit, on est tellement petits, on n'est pas pour essayer de faire du marketing sur d'autres noms de bières, là, tout ça. Ça fait qu'on va les appeler tous Boréal, mais il faut faire une différenciation entre les trois, ça. Blonde, c'était facile. Noir, oui, ça allait de soi. Puis ça, c'est quelle couleur, ça? Brune, la Boréal brune, hein? On a décidé d'appeler la Boréal rousse. Et ça, là, ça a vraiment bien fonctionné. Puis d'ailleurs, maintenant, au Québec, plusieurs bières s'appellent Rousse, mais c'est nous autres qui ont fait l'original Rousse, la première Rousse au Québec. Mais là, on s'est fait copier. Les pionniers de la Rousse. Oui, on s'est fait copier, mais c'est aussi pour ça qu'au Québec, maintenant, on identifie beaucoup les styles de bière ou les types de bière par couleur ici. Tandis qu'ailleurs, en Amérique du Nord ou dans le monde, on va les identifier plutôt par style d'origine. C'est... Boréal, 6 bières, c'est lesquelles? Oui. OK, bien d'abord, la première bière, c'est la Rousse. Elle est faite à partir de malt caramélisé. Et aussi une petite touche de malt rôti, donc ce qui fait que ça a un goût riche, un peu plus sucré, mais aussi caramélisé, avec une petite touche aussi de café en fond. Donc ça, c'était la première. Ensuite, la Boréal blonde, qui est un peu moins forte en alcool, 4,5%. Elle est un peu plus doublonnée que des bières blondes normales, donc est un peu plus riche aussi. À la Boréal noire, qui est la troisième, c'est une stout, vraiment une dry stout, qui, au niveau du balancement, est plus maltée qu'amère. Donc, c'est une bière qui est presque un repas. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant, cette bière-là. On a aussi, par la suite, on a lancé la Boréal forte, qui est devenue la Boréal cuivrée par la suite, qui est à 6,9% d'alcool, aussi avec des malt caramel, mais aussi avec la chaleur de l'alcool puis aussi des esters fruités que la fermentation fait à ces niveaux d'alcool-là. Donc ça, c'est intéressant pour ça. La Boréal dorée, oui, qui est 30% miel fermenté. Alors, c'est presque un hybride entre les hydromels puis la bière. Donc, le miel donne un côté soyeux. Et la blanche? Et la blanche, qui est la plus récente, qui est une bière qui est faite à partir de malt, oui, mais aussi avec une bonne dose de blé et d'avoine aussi, du blé cru, ce qui donne le voilé aussi. Puis c'est une bière qui est non filtrée, ça veut dire qu'il y a encore de la levure là-dedans. Et c'est épicé, pas seulement au blond, mais au gingembre, à la coriandre, à la pelure d'orange, et etc., etc. Donc ça donne un goût complètement différent de la bière ordinaire. Santé! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des bières québécoises et canadiennes sont dans cette même bouteille brune? Oui, j'avoue, elle est un peu plate du côté look. Mais il y a de très bonnes raisons. D'abord, la bouteille est brune pour protéger la bière de la lumière UV qui peut lui donner une odeur de moufette. Mais avant tout, c'est un choix écologique. Ceci est la bouteille standard de l'industrie. Et les brasseurs s'entendent à partager la flotte de quelque 250 millions de bouteilles en circulation au Québec. Voici comment ça marche. Vous retournez vos bouteilles brunes vides au magasin. Elles sont ramassées par la prochaine brasserie qui s'y rendra pour la livraison. Elles sont ensuite lavées, inspectées et on les remplit de nouveau pour les remettre sur le marché. Et le cycle recommence. Enfin, on estime qu'une bouteille est réutilisée 17 fois avant d'être envoyée au recyclage. Ce sont donc des contenants à remplissage multiple. Par contre, les bouteilles de bière importées sont à remplissage unique. Oui, on paie une consigne, mais la bouteille est jetée directement au recyclage ou même à l'enfouissement. Faut pas s'imaginer que la bouteille de Corona est retournée au Mexique ou que la bouteille de Stella en Belgique. Ces bouteilles ont trois fois plus d'impact sur l'environnement que notre bouteille réutilisable. Et si on n'utilisait que des bouteilles à remplissage unique, ça ferait plus d'un milliard de contenants à enfouir ou à recycler par année au Québec seulement. Oui, elle est moins sexy. Mais moi, je suis fière de faire partie d'une des seules industries qui, grâce à la consigne et à la collaboration des consommateurs, récupère et réutilise ces contenants. Au retour de la pause, une bonne bouffe au restaurant brut avec notre virologue Mario Dair. Encore aujourd'hui, on a un bel accord bière et mets à vous proposer ce soir. On est au restaurant Brut sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et ici, on vous sert une cuisine du marché qui met en valeur les produits régionaux.
Ce soir, autour de la table, on a les trois copropriétaires chez Boréal. D'abord, à ma droite, Bernard Morin, qui est directeur général. Laura Uknowski, qu'on a connue un peu plus tôt, présidente. Notre biologue préféré, qu'on a le plaisir de retrouver chaque semaine, Mario Dair. À ma gauche, Jean Morin, qui est vice-président chez Boréal. Et pour terminer, Phil Cousineau, chef et copropriétaire ici au restaurant Brut. Bernard, pour commencer, qu'est-ce qu'on voit? On va commencer par la Boréal Rousse. Notre première bière, qui fut introduite en 1988, qui est un mélange de quatre sortes d'orge, de la levure, de l'eau et du houblon. Mario, tu avais une petite histoire d'ailleurs par rapport à la Boréal Rousse. Absolument, mais d'abord, une santé. Ben oui, on va commencer. L'essentiel. Ça va être plus facile. Ouais. Santé. Au début, la mise en marché de la bière se faisait dans le verre. Alors, quand tu arrivais à une place, tout le monde a des bières blondes, puis là, il y a quelqu'un qui avait une bière d'une autre couleur. OK, puis c'était la Boréal Rousse. On a inventé le mot rousse parce qu'à l'époque, quand on regardait cette bière-là, elle était brune pour nous. Alors, les nouveaux amateurs, on disait c'est une bière brune. Et les gens parmi nous qui étaient plus snobs disaient c'est une bière ambrée. Alors, on avait des mots pour les connaisseurs, les mots pour le commun des mortels, mais le mot rousse n'existait pas. Alors, mais dès le moment où Boréal a baptisé la Boréal, Boréal Rousse, ça a fait une traînée de poudre partout dans le marché des microbrasseries où le mot rousse est devenu un mot séduisant. Alors, plusieurs bières qui s'appelaient des brown ale sont devenues des red ale ou des bières rousses à ce moment-là par processus d'imitation. Philippe, à quoi tu avais pensé avec la rousse? Je suis allé avec une tomate confite, donc pour aller chercher un peu le sucre de la tomate avec un feta que je vais faire fondre un peu. Ça va faire sortir le côté un peu boisé, un peu caramélisé là, de la rousse. Laura, chère amoureuse de la bière. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ouais. Oui, puis j'aime le malt carastan qui est dans la bière. C'est vrai que ça donne un petit coup de caramel qui, oui, enrobe très bien ça. Puis la texture aussi, même si c'est tout écrasé, là, on sent aussi des tomates qui explosent. Puis le doux du fromage en même temps, puis le croquant du pain. La richesse champagne qu'on trouve dans ce plat-là, hein, c'est vraiment une symphonie pastorale, je dirais. Là. Au début, c'est vraiment les herbes qui sortent. Et c'est vraiment les épices qui sortent. Tranquillement, pas vite, la tomate, mais surtout l'huile d'olive puis le fromage vient se marier pour envelopper tout ça. Alors, les épices sont toutes cachées par le gras, finalement. Et quand la bière arrive, il y a ce petit baiser sucré furtif. Pas longtemps, hein? C'est juste un petit bec sucré, mais tout de suite après, c'est l'explosion du houblon de la bière qui vient tout nettoyer la bouche. Ça tout disparaît. Fait qu'on est prêt après à redécouvrir un deuxième mouvement de cette symphonie-là. Laura, avant de passer au plat principal, la deuxième bière qu'on va boire avec ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la Boréal blanche. Ça, c'est une bière qu'on a introduite à peu près en 2004. Et c'est une bière qu'on a voulu être désaltérante, donc 4,2% d'alcool seulement. Et puis, c'est un petit peu houblon, mais surtout d'autres épices, notamment le gingembre qui ressort beaucoup. Ce qui est intéressant ici, c'est l'importance de la levure. Dans le monde des bières blanches, la levure signe le produit et c'est important qu'on goûte également la levure qui est en suspension dans la bouteille. Alors ici, la levure a flocculé, alors elle est descendue dans le fond. Ce qui signe cette bière-là et c'est ce qui fait l'originalité de la blanche de Boréal, c'est le goût de gingembre. Alors, traditionnellement, on mettait des écorces d'orange, du curaçao dans les bières blanches. Aujourd'hui, plein d'épices sont en train d'être introduites dans ce style de bière-là, mais la première gorgée de mettre d'autres épices que les traditionnels a été pris par Brasseurs du Nord il y a tout près d'une dizaine d'années lorsqu'on sortit la Boréal blanche. Philippe, tu t'es laissé inspirer pour une autre recette aussi? Oui, je vais y aller en douceur, moi aussi. On va y aller avec des pétons que j'ai fait finalement avec un beurre blanc. À la place de mettre du vin blanc, mais j'ai mis la Boréal blanche. Puis j'ai décidé de la mettre dans une citrouille. Et j'ai aussi un... Oui, on a deux choix du chef. Oui, on a deux choix du chef. Cuisse des poitrines. J'ai fait un ragoût de serre du Québec. J'ai pris une bière noire, puis une bière dorée, le côté miel, la bière dorée que je voulais marier avec la citrouille. Donc, on va avoir le choix de comparer un peu. Le cerf est légèrement épicé, la boréale aussi.
très bien comme accord, vraiment. C'est vraiment la citrouille qui donne le côté sucré et un peu beurré. Ah, OK, OK, c'est la citrouille. Donc, je trouve que ça va bien quand même avec la blanche. T'as goûté, toi? Je trouvais que ça faisait un spectacle court en bouche. Le cerf qui a une longueur en bouche, lorsque la blanche arrivait, ça coupait court. Alors que quand on compare avec la pétanque, la bière se fait discrète et va vraiment rehausser la finesse de la pétanque. Et on peut toujours goûter en arrière-plan le voile de gingembre et de levure qui respecte la noblesse du plat de pétanque. Tandis qu'avec la ratatouille, le gingembre explose de fraîcheur. Et le basilic et le gingembre, ben, là, ça complémentaire. C'est super bon ensemble. La pétanque est délicieuse, elle est juste tendre. On dirait que la pétanque demande la boréale blanche. Et puis je suis comblé. Oh, on a un homme heureux, on a un homme heureux quand même. Hein? Laura, messieurs, merci d'avoir été là. C'était un pur plaisir encore une fois. Merci. Santé. À vous. Merci. Une belle soirée, merci. Oui, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va brasser. Santé. Avec 25 ans de brassage, les brasseurs du... Les Brasseurs du Nord, c'est la brasserie qui produit les produits, qui produit les bières. Encore, qui produit les produits. Ici, on vous cuisine une cuisine du marché. Ouais, on vous cuisine une cuisine. Encore aujourd'hui, on a un bel accord. Excusez. On est donc, Jean-Pierre.